suis pas du tout un homme tragique ou triste. Non. Ou déprimé ou influencé négativement par ces expériences. Au contraire. C'est pour retrouver Karl-Heinz Stockhausen que nous partons en Allemagne. L'avion survole la cathédrale de Cologne et le sombre fleuve. Puis, la route court entre les sapins et les collines jusqu'à Kürten, où il habite. Les jeunes viennent l'écouter, boire ses paroles, découvrir sa musique. Stockhausen va fêter ses 70 ans en 1998. Grand, fort, les yeux clairs, illuminés, il travaille dans le silence depuis déjà longtemps à son opéra Lumière, Licht. La tête dans les galaxies, les pieds enracinés dans la terre, il séduit, il inquiète, il poursuit une utopie merveilleuse. Autour de lui, à Kürten, ses interprètes, son fils Marcus, Suzanne Stephens, Katinka Passwehr et Michele Marelli. À Paris, le compositeur Jean-Claude Eloy. Nous écouterons aussi le témoignage de Paul Dirmeikis, écrivain et professeur, les voix d'Hubert Reeves et de Vicky Messica. C'est par un matin très frais. Les arbres partout, de la verdure et déjà un petit rayon de soleil sur les fougères et les feuilles mortes. C'est rose, un rose assez pâle. Nous sommes tout près de la maison de Stockhausen. La grille est fermée et on devine le silence profond qu'il y a dans cette maison et tout autour. Le chemin monte un peu, mais il n'y a absolument personne, sauf peut-être quelqu'un qui attend Stockhausen. Bien. Oui, je suis en train de composer. Voilà. Finalement, parce que j'avais tellement de voyages, ouais. Concerts, mixages dans les studios, ouais. Et que tout le mois d'août, ouais. J'ai eu l'occasion de travailler chez moi. Ouais. J'espère que ça va continuer au mois de septembre. Chez toi, ça veut dire la nature, c'est fantastique le paysage ici. Je suis né dans ce paysage et j'ai passé mon enfance à Altenberg, qui a une distance à peu près de 7 km d'ici. Et depuis 32 ans, j'habite à Kürten, dans une forêt. Au début, c'était un terrain très petit, oui. Que j'ai trouvé par hasard, dans un journal, parce que je ne voulais plus vivre en ville. J'avais vécu ma vie à Cologne, d'abord comme étudiant, depuis 1947. Oui. Et puis, en 1952, j'ai passé 1 an et 3 mois à Paris pour travailler avec Olivier Messiaen. Et en revenant, j'étais employé par la radio de Cologne, Westdeutscher Rundfunk, pour travailler dans le nouveau studio de la musique électronique. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y travaille régulièrement. J'avais plusieurs appartements dans la ville de Cologne, jusqu'à 65. Et puis j'ai décidé de vivre dans la campagne.
te retirer dans le silence. Oui, ce n'est pas tellement silencieux parce qu'il y a beaucoup d'avions qui passent dans la nuit surtout. À cause de l'aéroport qui a une distance de 45 minutes en voiture à peu près. Etc. Il y a toujours des bruits qui dérangent. C'est un souci de tout le monde de retrouver la paix intérieure dans le silence. Ouais. La maison de votre enfance, c'était dans cette région. C'était une maison, une ferme, une maison vraiment de campagne. Non, mon père était professeur d'une école normale. Et nous avons passé les premières années de ma vie dans plusieurs villages. Un an, l'autre côté du Rhin, je suis né à Meudrat. Mais à Meudrat, j'étais seulement pour 10 jours, pendant que ma mère a donné naissance. Et puis mon père était dans un village auprès de Neurath, où ma mère était née comme la fille d'un fermier. Et puis mon père a changé très tôt, un an plus tard, dans un autre village qui s'appelle Altzen, auprès de Morsbach. Et après, il est venu à Berbruch. Et quand j'avais 3 ans, nous avons changé le lieu de nouveau. Berbruch, qui est à une distance maintenant d'une dizaine de kilomètres d'ici. Et puis, Altenberg, là où il y a la fameuse cathédrale gothique et le vieux monastère, très peu de maisons. Et pendant la guerre, on m'a mis dans une école à Xanten, auprès du bord hollandais, pour 4 ans, parce que mon père était dans la guerre comme soldat et j'avais perdu ma mère très tôt. C'était, je crois, une école laïque. C'est une école pour devenir professeur d'école toi-même. Ouais. Mais avec beaucoup de leçons en musique. Mm. J'étais oboïste, j'ai joué le violon, le piano, c'était mon premier instrument. Et nous avons eu un chœur, un orchestre de salon, un orchestre du jazz, etc. Vous avez dit que votre père avait été obligé de renoncer à sa religion déjà sous des pressions nazies. Vous avez dit ça, je crois, Jonathan Cott. Et je voulais savoir s'il y avait eu un tiraillement sur le plan de la religion. Vous êtes né catholique et après vous étiez dans une école où on ne pratiquait pas les religions. Non, c'est ça. Parce que c'était une nouvelle orientation, si je peux dire, plutôt germanique. Les gens du Troisième Reich avaient l'idée de renoncer l'influence catholique de Rome. Et on savait, s'ils auraient gagné la guerre, alors l'Église catholique n'y aurait été plus existé. Si, existé, mais aurait plus de pouvoir, parce qu'ils avaient l'idée que la nature, principalement, démontre les fêtes de l'année, et soleil avait la force principale sur l'homme. Alors ils étaient des naturistes, si je peux dire.
Et c'était une philosophie qui venait des Indes, de l'Inde, des Indes du Nord. Alors, très vieux. Pour nous, comme élèves, on a appris ces choses comme quelque chose de nouveau. Nous avions des uniformes, on a marché beaucoup, on a chanté beaucoup, on a fait beaucoup de sport. Et toutes les fêtes étaient les fêtes différentes, fêtes de lumière, fêtes de la nouvelle nature dans le printemps. On faisait des jeux dans les forêts pour idéaliser, si je peux dire, la santé. Alors, la santé était extrêmement importante. On était contrôlé tous les jours, ce qui concerne le comportement propre du corps et de vivre précisément de 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Et les horaires étaient bien organisés. C'était une contrainte pour vous ou bien vous le viviez sans trop vous poser de questions à l'époque? Moi, j'ai pas aimé ça parce qu'il y avait trop de jeunes gens dans la même chambre. On était toujours ensemble. Moi, j'étais obligé d'être ensemble avec les autres dans les mêmes salles, même en dormant. Et jamais une heure tout seul. C'était très difficile. La nuit, quelquefois, parce qu'il y avait beaucoup des attaques des bombiers, comment on dit, Le bombardement. Mais pas à Xanten, précisément, mais plutôt vers les grands terrains de l'industrie, Duisburg, Mülheim, etc. C'était pas loin de Xanten. Et chaque nuit, plusieurs de nous qui se sont présentés pour ce service sont restés sur les murs autour de notre terrain, parce que c'était un ancien monastère, oui, avec des murs très hauts. Oui. Et nous étions obligés de garder les bombardements, et quand il y avait des bombes qui sont tombées, surtout les bombes pour brûler les maisons, alors nous étions un service de sécurité, si je peux dire. Et ça, j'ai fait régulièrement parce que ça me donnait de l'argent. Nous étions payés, pas beaucoup, mais pour ce travail spécial. C'était dangereux, d'ailleurs. Et pendant ces nuits, j'ai passé beaucoup des heures en rêvant, si je peux dire, en regardant les étoiles ou les avions et les flèches de la flaque. Flugabwehrkanonen. Les canons, oui. Yeah, etc. Très peu de
vacances une ou deux fois par an. Et moi je suis resté là-bas parce que je n'avais pas de parents. Oui. Alors je suis resté là-bas de nouveau pour faire ce service de sécurité. Oui, et vous avez aussi participé, je crois, à transporter des blessés dans un hôpital. Ah, ça, c'était plus tard. Beaucoup plus tard. Ouais. À la fin de 1944, je suis resté tout seul dans ma classe parce que j'avais 2 ans de moins quand je suis entré dans la classe avec 12 ans. Et les autres étaient déjà devenus des soldats. Eh bien, on m'a laissé aller à Bedburg. C'était une autre école de la même classe d'école, comment dire, la même caractéristique. Et là, l'école était déjà transformée en un hôpital de guerre, parce que c'était 40, quelquefois 30 kilomètres auprès du terrain où on était en train de se battre avec les Anglais et les Américains. Ils avaient déjà attaqué l'Allemagne dans l'est, dans l'ouest de Bedburg. Et tous les jours, les blessés étaient apportés par des panzers. On dit panzers, des tanks? Des tanks, oui. Par les tanks, quelquefois, quand il y avait des attaques extrêmes par des bombes phosphores, et on avait 450 blessés par jour. Et ils étaient tous mis sur la grande place au milieu des immeubles. C'était un ancien château. Et même régulièrement, notre hôpital de guerre était attaqué par bombardiers. Oui. Et puis, j'ai aidé les soldats allemands pour aider les blessés. Dans la nuit, on les a mis dans les trains pour les transporter vers l'Allemagne. Ça a duré à peu près 5 mois. 4-5 mois. Et quand les troupes américaines se sont approchées, déjà très proches, dans une nuit, je suis aussi allé dans le train. Vous avez pu et puis, je suis revenu à Altenberg. Oui. C'était pas facile parce qu'il y avait de l'autostop pour finalement partir. Cœur invisible du jeudi de lumière. Et alors apparaîtra mon royaume au-dessus de toutes mes créatures. Et alors ce sera la fin de Satan, avec lui fuira le chagrin. Car Dieu du ciel se lèvera du trône de son royaume et la terre tremblera. Le soleil ne donnera pas de lumière et les cornes de la lune se briseront et le cercle des étoiles sera bouleversé. Et toi, homme, tu seras heureux et tu seras élevé par Dieu. Des choses merveilleuses apparaîtront en leur temps.
Alors ils verront le monde qui avant leur était invisible. Ils verront aussi le temps qui maintenant leur est caché. Ils habiteront les cieux pareils aux étoiles. Ils se vêtiront de beauté jusqu'à la splendeur de la lumière, jusqu'à l'éclat des rayons. Est-ce que toutes ces expériences de jeunesse et toutes ces visions terribles du monde sont passées ensuite dans votre musique? Parce que votre musique n'est jamais gratuite. Ce n'est pas de la musique pour la musique, c'est de la musique qui porte aussi, pas des messages, mais des marques de la douleur de l'âme, de la révolte. À quel moment en avez-vous eu conscience? Mon Dieu, alors je ne crois pas que ma musique a retenu ces traces, parce que je ne suis pas du tout un homme tragique, ou triste, ou déprimé, ou influencé négativement par ces expériences. Au contraire, j'ai composé quelques années passées une partie de lumière qui s'appelle « Invasion ». Et il y a 12 musiciens qui se battent dans un auditoire. D'un côté, il y a 3 trompettes, un percussionniste et un joueur de synthétiseur électronique. Ils portent les instruments sur le corps, des haut-parleurs sur le corps. Et l'autre troupe, sont 3 trombones, un percussionniste aussi, un autre joueur de synthétiseur électronique, et au même temps on entend la musique octophonique projetée autour du public que j'avais fait dans le studio, musique électronique qui s'appelle octophonie. Il s'agit véritablement d'un combat, si je peux dire, mais le combat est un combat acoustique, aussi visuel, mais j'ai eu beaucoup de joie de composer ça et de répéter ça pendant des semaines et finalement d'exécuter ça plusieurs fois, parce que il est vrai que la guerre de mon enfance était surtout une composition acoustique, si je peux dire, alors une musique, parce que toutes les sons de lesquels je me souviens, de toutes sortes, explosion, pas seulement, mais toutes les glissandos de toutes les registres, les accords. J'entends encore des accords, des glissandi de plusieurs bombiers qui descendent, qui remontent, etc. Ça, c'était, je crois, l'influence le plus fort et qui est resté dans mon mémoire. Et ça, c'est de la musique. Je pourrais un jour écouter les rotations des étoiles, des planètes, des étoiles. Alors ça, la musique serait un peu comme ça, ou d'un comète qui passe, etc. Bien sûr, ce n'est pas une musique qui sonne comme la nôtre, parce que dans
les autres espaces du cosmos, il y a beaucoup d'autres matières qui résonnent ou qui vibrent. Néanmoins, c'est comme ça. Ou quelquefois, quand je vis dans une forêt, quand je mets mon oreille très proche à certains insectes, surtout quand il y a plusieurs ensemble, etc., cette musique est incroyable, comme polyphonie, comme rythme, et comme composition des auteurs de sang et tout ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la souffrance. Vous voyez ça un peu comme un réservoir émotionnel, si je peux dire. Mais pour moi, c'est pas ça. Non. Je pensais aussi, parce que vous m'avez dit une fois que la musique était beaucoup plus forte que la politique, parce qu'elle entrait dans le sang, qu'elle entrait dans le corps et qu'elle pouvait changer. C'était plutôt ça que je voulais dire. Ce que vous aviez vécu était plus fort que ce que vous aviez pu savoir de la politique de votre pays et des autres pays. Yeah, maintenant, il faut faire une différence entre musique d'art, musique composée, oui, et des sons en général. Bien sûr. C'est-à-dire, quand il y a une musique composée avec une structuration qui est très, pas seulement très intelligente, mais très innovative et très surprenante au point de vue apparence acoustique, cette forme l'âme des auditeurs. Bien sûr, il y a très peu des auditeurs qui sont prêts de recomposer la musique qu'ils écoutent parce que ils n'ont pas assez de préparation, ils n'ont pas assez d'éducation, etc. Et peut-être ils ne perçoivent pas les finesses et tous les détails que j'ai composés. Néanmoins, une musique forme l'âme parce que l'âme est aussi un réseau vibratoire de tous les rythmes du corps humain. Et il y a une composition qui rencontre une autre composition et qui fait, si je peux dire, une modulation musicale. Mais quand vous avez dit la politique serait aussi quelque chose qui influence les gens, mais ça passe très vite, vous savez, ça c'est très superficiel, parce que ça reste seulement un certain temps, et puis les idées changent, les méthodes changent. Ce n'est pas comparable avec une composition musicale. Wir haben uns die beste Luftabwehr geschaffen und die beste Tankabwehr, die es in der Welt gibt. Es ist in diesen 5 Jahren nun gearbeitet worden, Tag und Nacht. Quelques événements politiques ont influencé les gens plus longtemps, mais aucun politicien du passé a pris l'importance de Johann Sebastian Bach ou de Mozart ou de Beethoven, oui, ou de, n'est-ce pas, les politiciens y passent, ce sont des acteurs d'un théâtre très superficiel. Jesus, um Weisen zu helfen, zu dir, zu dir, zu dir, zu dir.
je deviens ce que je vois en moi-même. Tout ce que la pensée me suggère, je peux le faire. Tout ce que la pensée me révèle, je peux le devenir. Telle devrait être l'inébranlable foi de l'homme en lui-même, car Dieu habite en lui. Vous écrivez l'opéra Lumière, presque toute votre musique est marquée vers cette spirale, cette montée vers la lumière. Mais vous connaissez très bien les forces obscures du mal, vous connaissez très bien l'obsession d'Hitler pour le diable, et vous mettez Lucifer dans votre opéra. Donc il y a des êtres humains qui sont plus que des politiciens, qui représentent dans le monde les forces du mal. Est-ce que ça peut être changé? Yeah, mais il faut avoir confiance. Ouais. C'est-à-dire, quand je compose, je suis mon intuition. Ouais, oui. Et ce n'est pas toujours si simple d'écouter exactement ce qu'il faut faire. Alors, en revenant chez vous ce matin, j'avais composé encore presque une heure une partie que j'avais lâchée hier soir. Et chaque fois quand je dois faire des décisions, il faut que je me mette dans un état d'écouter à l'intérieur pour savoir ce que je devais faire. Et une fois que j'ai composé une partie de Lumière, comme maintenant je travaille Michaelion pour l'année prochaine, il faut avoir confiance que il y a une force spirituelle dedans qui est sauvée par les anges, si je peux dire. Alors, même s'il y a beaucoup de dangers, que cette musique est attaquée énormément d'ailleurs, depuis pas mal de temps, et qu'elle n'est pas jouée pendant très longtemps, j'ai confiance que le travail spirituel et là, représenté par les partitions, et dans beaucoup de cas aussi par les compacts disques que j'ai dirigés, joués, mixés moi-même, il y a des documents. Et à la longue, certains hommes vont découvrir ça et vont utiliser ça pour leur propre éducation. Et s'il y aura des temps qui supprime ma musique, oui, alors il faut avoir conscience que la musique a une valeur en soi. Et si cette valeur est une véritable valeur, la musique va toujours renaître. Répétition. Regardez Suzanne Stephens. Debout sur une estrade, elle est moulée dans un collant doré et porte un turban scintillant. Elle ressemble à une déesse. L'or est la couleur de l'automne. Un casque pour écouter la bande que Stockhausen a composée pour Libra, doré lui aussi. Suzanne tient devant sa poitrine la clarinette basse qu'elle sait si bien faire chanter. On n'entend pas les trois notes. Tu vois ce que je veux dire? On n'entend que ça. Non. Refais. Accentue la troisième note. Refais. Nous sommes au milieu d'objets, de masques, Karlan Stockhausen. Tout ça, ce sont des souvenirs de voyage. Oui et non. Beaucoup des instruments dans cette pièce, j'ai fait faire même. Oui. Pour certaines œuvres. Ce sont tous des instruments que j'ai utilisés dans les œuvres différentes. Même c'est... Les sabots. Yeah. Même ça, dans Le Revoir
de Lucifer, de Samedi de Lumière, toutes les choristes portent des sabots. Les sabots hollandais, ouais. Parce qu'ils courent autour du public dans la dernière scène avec différentes vitesses pour faire des bruits. Ouais. Avec. Est-ce que c'est un peu comme les socs des moines japonais? Comme bruit. Yeah, exact. Yeah. Et puis les gongs sont les gongs pour des œuvres comme la danse de Lucifer, qui est une grande œuvre pour orchestre. Et on ne trouve pas ces instruments normalement chez les percussionnistes. C'est pour ça, certains instruments de là-bas, par exemple, j'ai collectionné avec un nombre plus grand qu'on a besoin normalement, parce que quand les gens veulent jouer mes œuvres, je les prête. Ah, d'accord. Ou par exemple, là, cette cloche qui est faite avec une hauteur précise que j'avais indiquée dans une usine qui normalement fait des cloches d'église, mais ça, ce sont des instruments que j'ai fait faire. Ouais. Ou c'est par vrai. Exemple, ce tambour est un tambour de Momente qui n'existe pas. Parce que Karl Rimmel, qui l'a construit en 1962, je l'avais trouvé dans une exposition à Francfort, ce tambour. Karl Rimmel est mort et personne ne sait faire ce tambour. Mais j'ai besoin de ce tambour pour Momente. Alors, tout ce que vous voyez, aussi les masques, par exemple, je les ai utilisés. Oui, il y a souvent un aspect visuel dans votre musique aussi. Dans certaines compositions. Il est vrai que quelques-unes sont inspirées par ce que j'avais vu en Indonésie ou en Afrique. Mais après, je les ai utilisés moi-même. Et souvent, vous placez les instruments dans des lieux fabuleux et de façon inusité, je pense à lorsqu'on y avait eu votre musique dans les grottes de Jaïta au Liban, et vous aviez mis des haut-parleurs dans les rochers et on diffusait Stimmung. 280 petits haut-parleurs, j'ai caché dans les stalactites et stalagmites pour projeter la musique, comment je peux dire, invisible, alors pour les gens qui s'approchaient au lieu où on a exécuté ma musique, mais il fallait marcher presque 20 minutes dans la grotte avant d'arriver à ce plateau. Yeah. Et il y avait le peintre Max Ernst qui était venu, André Masson aussi. Et vous aviez appelé Max là, dans les grottes et je crois que ça lui a fait peur. Non, je crois que ça lui a plu beaucoup. Oui. Oui, parce que j'ai dédié une soirée à lui et une soirée à André Masson. Et je les avais invités spécialement pour ces 5 journées dans les grottes de Jaïta. Et ça résonnait beaucoup, Max. Oui, parce que j'avais un micro et des haut-parleurs partout. Ça avait l'atmosphère, mais je crois, de ces deux artistes, de ce qu'ils voulaient atteindre par leur peinture, le surréalisme. Ah oui, les grottes de Jaïta ressemblaient un peu à ces murs fracassés comme ça, qu'il y a dans Max Ernst. Erkos de Jean-Claude Eloy, à qui Stockhausen avait ouvert les portes des studios de Cologne. Thank you.
Jean-Claude Éloi. Chaque œuvre dans son parcours est une invention de forme qui ne doit rien à une forme du passé. Chaque œuvre est rigoureusement inventée et toujours nouvelle et originale. Ça, c'est ce qui est le plus fascinant peut-être de sa démarche. Mais au-delà de tout cela, c'est aussi aujourd'hui un compositeur qui, face à la société, est l'un des rares capables de porter tout son projet et d'imposer à la société un projet dont il est le concepteur. Et non seulement le concepteur, mais il le gère avec ses interprètes, son entourage, sa famille, etc. Nous vivons une société actuellement qui essaie par tous les moyens de domestiquer les artistes. Je reproche à tous les pouvoirs politiques de faire des artistes des polichinelles au service des politiques des États et au service des publicités des États et des drapeaux des États. Eh bien, Stockhausen est un des rares créateurs qui a et la capacité de notoriété, et la capacité de travail, mais aussi la capacité financière, disons-le, pour résister à cette pression et essayer encore d'imposer sur le marché une œuvre dont il est entièrement le concepteur, l'organisateur, etc. Est-ce que vous pensez qu'il tient toute cette force aussi de sa spiritualité? On a l'impression, quand on est un peu près de lui, d'un homme extrêmement équilibré, extrêmement maître de lui, qui doit vivre selon une certaine discipline, dans le silence de la forêt bien sûr, mais aussi une discipline intérieure très forte. Absolument. Ça, j'en suis convaincu. C'est un homme qui a toujours eu une spiritualité. Alors évidemment, comme c'est un homme de culture, sa croyance en quelque sorte est très complexe. C'est un mélange de christianisme, de protestantisme, d'hindouisme, etc. C'est une grande synergie de toutes ses connaissances spirituelles. Mais c'est vrai qu'il est très animé par cela, son entourage également, oui. Son mode de vie. Tout est dévoué à la création. J'admire qu'on puisse arriver à cela, je rêve d'y arriver, mais c'est strictement impossible parce qu'il faut des conditions pratiques pour y parvenir. Mais je pense effectivement que cette force spirituelle est omniprésente dans son travail, comme elle était présente chez Messiaen. La grande capacité de travail de Messiaen était quand même aussi liée à une adhésion à une croyance qui donne une force, qui donne une énergie. Et il est vrai que ceux qui n'ont pas les mêmes croyances peuvent être victime d'abattement et de nos jours où certaines croyances progressistes ont été terriblement malmenées dans l'époque récente de l'histoire, je crois qu'il y a toute une frange de la société non croyante en spiritualité en quelque sorte qui est très durement choquée par une crise d'abattement moral. Les murs qui emprisonnaient notre être conscient sont abattus, renversés, tout sentiment d'individualité et de personnalité est perdu. Toute impression de situation dans l'espace et dans le temps ou dans l'action et dans les lois de la nature disparaît. Il n'y a plus d'ego, plus de personne définie et définissable. Seulement la conscience, seulement l'existence, seulement la paix. On devient l'immortalité, devient l'éternité, devient l'infinitude. Nous, les esprits, nous dansons en pleurant. De Paul Dirmeikis, qui prépare un livre sur Stockhausen, La respiration du temps. Depuis près de 25 ans, sa musique m'est une nourriture nécessaire. Elle, parmi d'autres musiques, d'autres formes d'art, mais elle, davantage que les autres. Et cette nécessité, à de nombreux égards, est aussi délicate à analyser qu'une relation d'amour. La musique de Karlheinz Stockhausen n'est pas une musique d'évasion. Elle ne repose pas, elle n'adoucit pas la vie quotidienne, elle ne divertit pas. La musique de Stockhausen me fait redevenir un être parlant, mettant en lumière cet être parlé que je ne vois parfois plus, tant je commence à assimiler ce reproducteur de lieux communs, ce héros de l'uniformisation galopante. Dans cette révélation, aussi lumineuse qu'un regard d'enfant, je replace mon être dans le sillon qui donne du sens. Nous, les esprits, nous dansons en pleurant. En pleurant. En
Cette confiance, elle fait partie de votre propre spiritualité, de votre propre contact avec l'univers. Parce que vous n'êtes pas un compositeur de laboratoire ou un compositeur intellectuel qui s'enferme avec des schémas. C'est impensable sans Karl-Heinz Stockhausen. Sans être guidé. Alors, quand on voit la biographie, il y a des millions qui ont une biographie comparable. Et aussi, une éducation musicale n'est pas tellement spéciale. J'étais pianiste, éduqué comme pianiste au Conservatoire National de Cologne. Et puis, après, j'ai composé des œuvres tout seul. Je n'avais pas une véritable éducation comme compositeur, une formation. J'ai passé seulement quelques leçons chez Franck Martin à Cologne. Et après avoir entendu quelques œuvres de Messiaen, je suis allé à Paris parce que j'étais tellement curieux de connaître ce compositeur. Mais au fond, Messiaen n'a jamais regardé mes partitions. Et il a la plupart du temps analysé les œuvres de Mozart, la musique des Indes, de Stravinsky, de Debussy, et quelques œuvres de lui. Mais j'ai pas appris la composition chez lui. Alors, je veux dire, tout ce que j'ai fait de ma vie est fait sans être trop orienté vers le besoin des gens autour de moi, ou des gens qui sont responsables pour la vie musicale. Je connais assez bien l'histoire de la musique européenne, de la musique d'art, et tout ce que j'ai fait depuis 1951 est bien sûr en relation avec cette ancienne musique. Même, quand je dis ancienne, la première partie de ce siècle avait une musique qui était l'orientation pour moi. J'ai travaillé un an et demi en analysant la sonate pour deux pianos et percussions de Béla Bartók pour mon examen final. Et j'ai aussi étudié comme pianiste les œuvres de Schoenberg. Je les ai jouées dans l'examen final aussi de Hindemith. Mais je voulais faire autre chose, c'est-à-dire le prochain pas après cette musique. Il y a une musique qui demande une évolution permanente, une musique d'art, je veux dire. Oui. Et c'est comme dans les autres sciences naturelles ou aussi dans astronomie, biologie, oui. Physique, mathématiques, etc. Il y a une évolution permanente et qui ne dépend pas des hommes individuels d'une certaine époque ou d'une génération. Chaque direction indiquée par les trouvailles précédentes, par les découvertes. Et dans la musique, depuis 1951-52, c'est comme ça. Ce n'est pas une musique qui se développe comme traditionnellement, comme un style d'une époque, en faisant certaines variations, en se permettant certaines libertés à l'intérieur d'un langage établi, etc. Une ou deux dissonances de plus, ou syncopations de plus, ou deux ou trois timbres étranges de plus. C'est pas ça du tout. Nous avons vécu maintenant un saut, oui, incomparable dans l'histoire, oui, de la musique. Et moi, je me sens plutôt comme quelqu'un qui maintenant doit réaliser au maximum possible les premières conséquences de la découverte de la musique électronique, c'est-à-dire la synthétisation du son, l'intégration de tous les sons qui existent, développement de la musique d'espace,
tout nouveau processus d'intégration langue et musique, entre langage et musique. Langage et musique, oui. Et puis, l'unification de toutes les vibrations corporelles, c'est-à-dire maintenant pour moi, un timbre est un rythme accéléré. Un rythme est une hauteur de son décéléré. Une grande forme est un grand son élargi, projeté sur un temps très long. Thank you.